What's up YouTube, ici Alex Yann Lessard. Donc, j'ai une petite vidéo démonstration de l'émulateur Android EPS XE 2.0 pour la version Android. Donc, le jeu c'est Street Fighter Hyper Fighting. Yeah. Street Fighter 2 Hyper Fighting. Donc, l'émulateur roule quand même assez rapidement. Il n'y a pas trop de latence. Donc, je vais prendre Ken. Donc, je suis chez moi avec mon shop et Kipsu. C'est Alexia Nassar. Peace! What's up tout le monde? Hey, ça va, gang? Hey. Ok. Fait que c'est ça. Donc là. Round 1! J'essaie de jouer. La plupart du temps, je fais bien rangé. Donc, ça, c'est sur le PlayStation 1. C'est le jeu qui s'appelle Street Fighter VI Collection. Je vais juste voir si ça fonctionne aussi bien qu'au Xbox 360. Ça a l'air de bien fonctionner en tout cas. Ça fonctionne. Donc, c'est bon. Oh, wow. Donc ma manette, je vais mettre en haut. Donc là, j'ai simplement mis le cellulaire à côté sur mon... Je crois que le cellulaire sur mon écran. Donc yeah. Je te le dis, si jamais tu joues à Street Fighter 2, ben tu vas avoir peut-être un peu de misère en commençant Street Fighter 5. Hein. Mais c'est pas mal, sensiblement les mêmes moves. Puis aussi les mêmes persos. Donc ça c'est la version au PlayStation 1. Donc c'est ça. Déloading. Donc Ken contre Ali. Se calme, monsieur. Donc, ouais. Oh, wow. Il y a vraiment une technique qui vient faire honte. La honte s'empare de moi. Donc, ça c'est là la même affaire que pour Xbox 360 que j'ai payé comme 5$ le jeu. C'est la PlayStation 1 en fait. Donc, ça y est. Hey, Grissu, t'as pas fini ton chaleur? Mon chat est en chaleur, ça fait un an. C'est déjà un an. On peut le battre. Et voilà, je suis vaincu. Portez ça à moi-même, je suis vaincu. Ben oui. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Donc si je ne l'ai pas déjà dit, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un j'aime, un petit pouce bleu, puis partagez, commentez, ça fait toujours plaisir. Je fais ça pour vous, cette vidéo-là. Donc je ne peux pas tout le temps en faire. Je vous aime bien, ma gang. Ça va les copains?
seule affaire que j'ai pas, c'est que la manette. C'est bien chill, mais la roche. La roche. Une manette comme ça, comme ça. Ça ressemble à une PS4, tu sais. On va accrocher celui-là ici. Je vais vous dire, comment Alex, fais quelque chose là, débrouille-toi. Moi je suis comme. Il me fait battre. Donc j'essaie un autre coup. Si vous voulez plus que je vous parle de l'émulateur Android EPSXE, je pourrais le faire dans d'autres vidéos. Faites juste me dire si c'est ça qui vous intéresse, comment le pogner. Ben, comment le pogner, je peux le dire, c'est facile. On paye le programme sur Android Play Store. Et après ça, on va chercher les jeux qu'on veut. Puis une fois que c'est acheté, ben c'est permanent, là. Ça reste là tout le temps dans ton compte. C'est vrai que lui, il a tout fait du test maintenant. Hey, on se calme. Monsieur, calmez-vous. Hey, on se calme dessus là. Ouais. Bon, je suis pas encore habitué. Fait que ouais. Aussi, peut-être que je vais arrêter. C'est ça. C'était Alexandre Lessard que je vous dis à plus le monde. Peace.